Beautiful things don't ask for attention. Bienvenidos en Patagonia. Está muy bueno y alors, cette première balade dans le bush patagonien. C'est spongieux. Et c'est marrant. En fait, c'est sympa de descendre. Ça fait comme si on était dans de la poudreuse. Qui n'a jamais rêvé de venir en Patagonie, découvrir ces fjords, ces glaciers, cette nature vierge et sauvage? Mais la raison principale, c'est qu'on est venu chercher notre nouveau bateau. Effectivement, ça faisait plus de 6 ans qu'on naviguait sur Morgane, et à la fin on se sentait un petit peu à l'étroit. On rêvait d'un bateau plus grand, plus spacieux, pour pouvoir continuer notre vie sur l'eau. Et c'est là qu'on rencontre Chamad, cet OVNI 365 aux Marquises. Marc et Sylvie nous proposent de les rejoindre en Patagonie une année plus tard pour acheter leur bateau. Je crois qu'on a fait le bon choix, parce que c'est quand même un bateau qui est très confortable. Autant à l'intérieur qu'en navigation, c'est un bateau qui est marin, un franc-bord très haut, un cockpit large avec une barre à roues, un petit siège pour barrer, une jupe qui est large, aussi un ralot, donc pour accéder dans le dinghy, c'est tout facile. Est large. Tout est large en fait, ouais, c'est ça. Bah, la Patagonie, pour moi, c'est avant tout du vent, beaucoup de vent. C'est du vert partout, des fois du gris, du blanc, et beaucoup, beaucoup d'eau, enfin de l'eau douce principalement, des cascades, il y en a des millions ici. C'est aussi de la végétation dense, impénétrable, surtout au nord de la Patagonie, qui devient plus éparse, plus on descend dans le sud. Et là, alors, une liberté de pouvoir randonner qui s'ouvre à nous, mais c'est juste grandiose. Avec souvent des vues imprenables sur les fjords, sur les glaciers, sur les montagnes, enfin, c'est juste grandiose. Il faut surtout avoir des bonnes chaussures bien étanches, des bottes même, parfois. Et puis l'envie de pouvoir, l'envie de vadrouiller, de faire son propre chemin, parce que bien sûr ici il y a personne. En fait, il y a de l'eau un peu partout ici en Patagonie, et je trouve ça vraiment magique. Il y a un côté tellement apaisant, méditatif en fait. Il est plutôt rude, il est dur, il est en même temps magnifique, parce que cette rudesse montre à la fois une nature intacte et les hommes n'ont pas pu faire de grands changements. Thank you.
Qu'est-ce que tu ressens en voyant toute cette glace? C'est beau, c'est de l'art. C'est une sculpture vivante. Et c'est envoûtant, c'est froid. Des fois, c'est pas très beau parce qu'il y a un peu de gris là, enfin de noir. Mais c'est incroyable. Et on a tellement de chance de pouvoir encore voir de la glace et de la toucher et même passer dessous. On est chanceux de voir encore de la glace parce qu'on voit que ça fond quand même assez vite. Elle est fraîche! C'est une impressionnante masse de glace. Mais on voit que ça recule parce qu'on a téléchargé au préalable des images satellites. On voit que sur la position de l'image satellite comparée à la position actuelle, on est là juste devant le glacier. Il y a un recul qui est quand même impressionnant de plusieurs centaines de mètres. Donc on est quand même des témoins de ce réchauffement climatique, malheureusement. Ça se passe comment les mouillages en Patagonie? Alors en fait il y a des mouillages qui sont vraiment à l'abri de tout vent et de vraiment très, très bien protégés. Mais il y a toujours un système pour s'amarrer en fait en Patagonie, c'est-à-dire qu'on met des lignes à terre. Comme ça on se retrouve vraiment très proche du relief, notamment des arbres. Et on n'a pas ces rafales, ou ces rachas comme ils appellent ça ici. Qui descendent de la montagne, ça peut être des vents très catabatiques. Du coup, on cherche des zones de végétation dense, plus ou moins dense, c'est signe de vent calme. Ce qui est génial, c'est que les fichiers météo sont très fiables ici et ça facilite grandement nos déplacements. Il faut quand même avoir le temps et prendre les bons créneaux. Alors la procédure, c'est que on met l'ancre et on se stabilise en gardant le minimum de marche arrière et la personne à l'arrière se saute dans l'annexe avec un orin flottant et va tout de suite en mettre une sur le bord. Et comme ça on est stabilisé entre l'ancre et l'orin à l'arrière et ensuite on essaye de regarder comment positionner le bateau au mieux pour que ça soit vraiment le plus stable. Pour moi c'est plus qu'une passion, ouais. C'est carrément un moyen de vivre en fait, c'est un moyen de subsister puisqu'on compte quand même un peu sur la pêche pour avoir du poisson et pouvoir en manger. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer d'aller pêcher du robalo et on va essayer des leurres un peu souples comme ça, des leurres foncés en fait. J'ai remarqué qu'ils aiment bien soit le rouge, soit le noir, soit le bleu foncé. Et donc, on va laisser ça. Oh, j'en ai un. Il est beau, hein? Ah, c'est une belle pièce, hein? Belle pièce, bravo!
Voilà, j'ai tiré les filets des deux robalos que j'ai pêchés il y a un petit moment. Donc maintenant, on va les préparer pour le dîner. Eh ben, bon appétit! Bah ici, vous pouvez vraiment constater qu'il y a beaucoup de vent. On est en terre de feu sur l'île de Navarino. Et on remarque que le vent peut souffler tellement fort qu'il couche les arbres. Alors, il y a une tendance ouest assez forte parce que les arbres sont couchés en direction de l'est. Et c'est assez hallucinant de voir ce que la force de la nature peut provoquer sur les éléments de la nature. C'est quand même un sentiment de légèreté, de vide en même temps. C'est quelque chose qui te porte, qui t'entraîne, qui est vraiment une sensation qui te pousse à en vouloir la reproduire à nouveau. Donc à chaque fois qu'on a des petites conditions qui s'offrent à nous, qui sont très rares ici en Patagonie, et on saute sur l'occasion et en profite. C'est une sensation de liberté absolue et c'est jouissant parce qu'en fait c'est génial de monter à pied au sommet, mais c'est encore plus génial de redescendre en volant et de survoler le bateau, de survoler toutes ces magnifiques baies et d'atterrir à deux pas de l'annexe. La possibilité de monter au sommet et décoller pour redescendre en parapente.